parler de l'élection, mais qu'on y a son par acclamation. Donc, qu'on y a ça, vous venez faire, vous dites, bon, ok. Pour jouer une entente pour ta gagner, il y a un style de président rotatif. Et, ou bien tournant, si vous voulez. Donc, chaque monde, ça y a fait 5 mois jusqu'à février 2016. Mais, tout à coup, il y a Smith Augustin qui dit lui-même, eh bien, faut la donner. Et en tant que membre du conseil. Et donc, Fritz Jean lui-même qui normalement t'es doué dans la liste et qui dans la liste là, il t'a pris immédiatement après 5 mois que Edgar Leblanc fils t'a fait, eh bien, il t'a pris 5 mois par là. Mais comme il se demandait, eh bien, bon, ok, et Fritz Jean dit, ok, bon, pour éviter toute cause, il ira à l'école. Donc, on a ce Smith Augustin qui prend en deuxième position. Mais tout ça pour qu'on gagne un lien de formel parce que et décision ça pour qu'on paraître dans le journal officiel PIA le moniteur. Gen moun kap analyse qui dit que pendant que toute tractation ça a fait, pendant que il a fait tout arrangement ça a fait, eh ben situation PIA toujours même genre. Toujours gen moun kap déplacé qui par contre côté priorité, toujours gen problème et au niveau économique dans grand goût crise humanitaire toujours gagné même problème ça déplacement d'un point à un autre toujours pour qu'a fait bien que gon ti calme yo senti tout petit kay gang yo mais toujours tant à gagne tiré gagne moun ki mouri dans portail Léogane et donc ça veut dire que c'est toujours en situation très tendue pendant que ou senti que et ça c'est analyse yo kap di pendant qu'on senti que tout conseil président cette transition a fait toute tractation ça comme si c'est dans les conditions normales. Mais situation pays a toujours été et en difficulté. Et puis l'autre point que nous sommes capables de signaler, c'est que l'autorité aéroportuaire dit à travail pour l'île aérienne capable de reprendre vol dans l'aéroport et tout ça, l'ouverture là. Et parallèlement, il y a tout. Et il y a un avion militaire américain qui continue à débarquer dans l'aéroport tout ça, l'ouverture là. Ils ont porté notamment équipement que ont porté donc et les États-Unis voulaient porter voyer matériel by PNH avec l'armée pays d'Haïti donc dans le moment on a parlé là aéroport international tout ça l'ouverture là toujours pas fonctionnel pour transport aérien pour transport et public aérien et nous te connais que t'es gagné t'es gon paquet exigence que assurance que t'as fait li aérien par rapport à ça que t'es incident que t'es passé côté que eh ben gang nous t'es tiré sur un avion donc situation toujours être comme ça nan au cap même et au cap lui même lui continuer et c'est seul aéroport cap desservi pays a pratiquement en termes de transport li aérien. Et pendant ce temps tout, non l'autre point d'actualité à ces questions canal là. Et ben gros de l'eau qui débarque, nous est canal là ta même immergé même. Et ben yo expliqué techniquement, nous te gen des ingénieurs qui expliquent techniquement et ça crive ya, mais gon bruit de corruption tout. Depuis gen l'argent dans pays d'Haïti toujours gagné si le bail ça yo que bruit de corruption. Est-ce que c'est corruption ou bruit de corruption? Mais nous gen un correspondant qui sous place dans et l'autre boa n'a pas les Jodelet Junior Saint-Ville, lui-même n'a pas laissé joindre avec membre comité canal là pour y être capable de faire le jour, pour y être capable de faire la lumière sur ça qui rivière. Donc, en attendant, eh ben, Godlo ça, eh ben, les saccager, rivière massacre là et canal là, il a pris coup. Donc, mais nous-mêmes, nous pouvons comprendre bien que, et ingénieur dit que c'est des bagages qui sont normales, c'est des tests qui ont déjà fait déjà, il n'y a rien qui a sauté. Peut-être que le public là qui pas comprendre les choses, capable yo même fait être chaud mais pas gain il dit pas de panique pas gain problème donc yo mettre poser net et sous situation ça donc n'a gagné n'a bon rendez-vous plus tard dans rendez-vous info pour capable gagner plus explication sous frontière ça et puis et l'autre point dans actualité a eh ben semaine dernière yo t'es gon arrestation qui t'est faite. Et c'est madame Nelly Verpil-Broyer qui c'est secrétaire général Sénat haïtien qui a été arrêté. Et c'est juge là qui était tendel qui fait yo mettel en dépôt. Donc grand pile causé qui a parlé sous dossier ça et t'as semblé que grand pile gon chaîne de corruption dans question ça et
Donc nous par contre exactement ces juges là et qui connaît pendant ce temps madame ça lui même li dans prison journée aujourd'hui et gen moun qui a levé la voix pour dire pour yo la gueule parce que t'as semblé que yo la yo arrêté injustement. Nous même journalistes nous pas connaît, nous pas connaît seulement nous ouais nous t'es capable ouais et arrestation faite nous ouais les madame dans monter dans machine menotté y a mené dans prison. Donc c'est madame Nelly Verpil Broyer qui sont moun qui gagnent yon carrière dans Sénat et il était venu monter et était gagn avocat qui te prend la parole mais qu'on y a gagn moun qui a levé la voix qui a demandé pour yon la gueule. Donc c'est une autre question corruption encore parce que yo dit dossier ça il pas seulement gagn madame Boye la donne gagn l'autre moun la donne gagn des parlementaires gagn des sénateurs qui yo même tout assemblé que yo impliqué dans sac pas ça. Donc n'a pas suivi pour, c'est un dossier qui était pratiquement tout l'ouvri, il est devant la justice, n'a pas suivi pour. On quitte Haïti, qu'on y a, pour aller dans l'actualité internationale. D'abord, gagné, et actrice porno, Stormy Daniels, qui a retourné dans le tribunal jeudi encore, nous connaissons le procès avec ancien président républicain américain, Donald Trump, concernant, et allégations, accusations, comme quoi, yo tenon li même avec et ancien président Donald Trump tenon bay ti bouboutage ti amoureuse et yo tenon même acte sexuel et yo te payé en 2016 $130,000 pour acheter silence li pour pas mettre cacachette là dehors pour pas déranger campagne monsieur Donald Trump qui t'a pas venir tourner et président des États-Unis. Mais ça qui était drôle encore c'est que dans dernier témoignage que madame Stormy Daniels bay eh ben il fait connait que eh ben il paraît Donald Trump lui même dégoûté à monsieur il dit monsieur font pas quatre bay qui passe ça il dit que même le la fait acte sexuel il va te sentir nan poli monsieur pas mettre préservatif. Bon, Valérie dit capote directement lui-même et ça Valérie dit dans le reportage là. Donc ça veut dire un paquet de bagages qui très embarrassant dans procès et même avocat et ancien président Donald Trump te même demandé pour procès ça pour yo annuler procès ça mais juge cap mené procès a et ben il dit que pas gain causé et comme ça. Donc ça veut dire que jodi encore Stormy Daniels gain pour répondre question membre jury yo. Nous connaissons que jury a gain 12 membres la donne et lui-même souhaitait que pour ta et ben pour condamner ancien président Donald Trump et puis mettel dans prison. Donc, c'est ça que le t'as aimé, mais je vous dis encore, et tribunal là, dans New York, a ouvert avec question que vous avez pour madame Stormy Daniels, qui s'est vedette porno, ça, que, et ancien président républicain Donald Trump, t'a semblé t'es non, et affaires ménage, affaires sexuelles et autres. Et puis, l'autre point d'actualité, hein, c'est toujours, guerre Israël Hamas là, qui rivait dans yon, dans un niveau qui très 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 critique parce que dans le moment n'a parlé là toujours une pression toujours une menace pour l'armée israélienne à entrer tout bon vrai dans Rafah. Nous dit tout bon vrai dans Rafah parce que y a déjà commencé à entrer déjà y a même commencé à boucher quelques passages pour empêcher que assistance humanitaire ajoigne mon Gaza yo. Eh ben, hier, Israël a pris décision pour ouvrir passage là, bien que Nations Unies dit que lui-même est beaucoup en mesure pour le porter assistance dans Gaza, parce que le pas un monde qui calait, parce que tout le monde est obligé et déserté. Et, selon Nations Unies toujours, eh ben, il y a 80 000 monde qui t'a quitté Rafah, parce que l'Israël t'a demandé pour tout le monde évacuer zone, non? Eh ben, monde ça y est, t'es grand pile qui t'a quitté. Faut dire que, moitié et population gazaouia qui dans Rafah qui était venu pour un refuge dans Rafah, il parlait de 1 million, il parlait de 1 million 200 000, il parlait de 1 million 500 000. Donc mais grand pile monde qui quittait 80 000 d'après ça que Nations Unies et dit. Pendant ce temps, gagnait les États-Unis lui-même qui a fait pression sur Israël pour vraiment pas mettre menacé en application pour ta débarquer dans Rafah avec une opération grande échelle. Et États-Unis bloqué yon cargaison qui gagne bombe la donne, qui gagne l'autre munition, et ben dit la camper si vraiment Israël
pas camper sous projet gagné pour lui aller dans Rafah. Et Israël, que c'est Galante, qui c'est ministre et défense là, que c'est premier ministre Benjamin Netanyahu, il dit que yo pas capable de finir le travail là si yo pas débarqué dans Rafah. Et yo croit que monsieur Amasio yo même yo aller avec otage dans Rafah et c'est là à le cacher. Et Israël dit faut l'attaquer. Pendant ce temps tout gon l'autre pression qu'a fait sous Benjamin Netanyahu, le premier ministre là avec famille et otage. Parce que famille otage voulait pour rejoindre ce cessez-le-feu. Nous connaissons toujours gagner ce cessez-le-feu qu'a essayé de joindre et c'est Qatar avec l'Égypte qui au même qu'a essayé ouais de quelle mesure que capable joindre yon accord de tout près joindre un accord parce que gagner Hamas qui était d'accord avec Akoa, et puis Israël dit c'est inacceptable parce que et Hamas lui-même lui ouais qu'elle a libéré otage et puis cessez le feu et ben guerre a fini tandis que Israël lui-même dit pas qu'il a sa pièce il y a pas la question que guerre a fini faut débarquer Rafah et puis pour yo résoudre question donc ça veut dire cette situation ça qui gagne dans région Moyen-Orient pendant que l'autre guerre toujours qui continue et Haitian et British Alliance. Eh bien, ils étaient réunis, eh bien, là, pour être plus des causes Haïti, pour être demander, pour parler avec l'administration, et congrès, tout, son nécessité pour y'a défendre, ou bien nécessité pour y'a renouveler. Parce que les situations dans le pays d'Haïti, pas bon du tout, bah, y'a malouk, crime a augmenté, violence, etc., de tout, bah, ça y'a. Et puis, mettez avec menace que les États-Unis a fait lui-même tout, pour lui déporter Haïtiens qui sortent, vivent dans le pays, à sans document de galop, mais qui vivent demander asile, qui pas kembe, ou bien que pas qu'à supporter. Et puis, menace tout, l'administration a fait pour moun immigrant qui t'a illégal, ou immigrant qui t'a kembe, sous la mer, pour t'amener dans base, militaire États-Unis Guantanamo. Donc tout ça a remis ensemble avec problème humanitaire tout. Et bien, tout ça a remis ensemble et bien et congressman yo m'a cité quelques noms Barbara Lee, Gain Yvette Clark, Gain Priestley, Sheila McCormick et puis avec un paquet d'autres encore et responsable union madame estimé et bien, tout le monde ça a été là pour déplier des causes Haïti et pour demander le congrès pour le fond j'en tout parce qu'il faut le congrès tout agir tout c'est pas seulement l'administration mais pour agir mais toute voix ça veut faire voir au fond seul pour faire demande ça n'a pas aidé renouvellement TPS pour haïtien ou redessiner Haïti encore dans le programme TPS là et pas si font camper sous déportation il y a mon y a en Haïti et parce que situation malouque et puis question humanitaire améliorer conditions en Haïti pour que justement haïtien soit capable guérison peut être la carrière que peut apprécier la vie dans la mer ou bien par la route, etc. Donc, c'est toutes les questions ça qui sont ensuite, même délégation ça a tout, eh bien, ils ont été réunis tout avec Black Caucus, surtout Black Caucus dans la Chambre des députés, quand justement, ils ont mis le dossier à devant et Black Caucus, qui est très sympathique avec le mouvement ou bien cause haïtienne. Alors, je ne vais pas citer, mais ça me fait jalousie, c'est madame et parlementaire qui est même Tchapoua. Et Frédéric Wilson. Alors, lui-même, pas plaisir dans ça tout. Il dit, ici, on est les madame qui a mis Tchapoua, ou bien parlementaire qui a mis Tchapoua. Bon, après, c'est pas mon nom qui dépend la parole dans occasion si là. Et alors, ça arrive et tout, et puis l'administration a pour l'annoncer, il va prendre un nom, c'est ça, t'as de fait, même je dis à même. Et nouveau mesure que l'administration a pris, c'est d'après l'agence Nouvelle Reuters, et bien nouveau mesure pour apprendre soit fait, mon capement des réfugiés aux États-Unis. Eh bien, et surtout sous frontière. Eh bien, il y a une démarche pour le faire, justement, pour faire passer un premier interview, et dès pour pas qualifier dans l'interview ça, eh bien, résultat final là, c'est que, alors, voilà, pour tout le monde, c'est pas seulement pour Haïtiens, mais pour tout le monde qui vient demander asile sous frontière, dès pour pas passer et première phase là, eh bien, il y a pour retourner dans le pays. Donc, il y a une façon plus capable expédier, ou bien encore faire une façon plus rapide, voyez mon retour dans le pays. Donc, c'est une décision ça que l'administration apprend. N'a rien pour nous venir sur plus de détails avec sur question ça, et avec Galen Joseph, qui est responsable, et Haitian British Alliance. Et qui est même tout, t'es parlé un petit peu tout de situation. Il connaît que effort, et demande qu'il a fait, et c'est pas un cadeau.
mais tout il dit que vous me commandez que pas du tout. Donc il a continué à demander à l'administration pour lui faire effort ça pour aider les Haïtiens. Et puis nous avons parlé tout de situ, à situation de monde qui a vécu sur la frontière, n'a pas eu des mineurs, qui a vécu sur la frontière que parents vous cherchez que ce soit sorti en Haïti ou bien dans l'autre pays, et dans l'Amérique centrale ou bien de l'autre côté, mais si on ça est arrivé, et il y en a qui disparaissent. Ils ne peuvent pas foutre les joignes, ils ne peuvent pas foutre les retracés. Et même le gouvernement mexicain ne peut pas retracer. Ça que vous retracez, mais l'administration parle de monde qui n'est pas parent. Donc, on même sauté font demande pour un petit monde pour te faire venir sous frontière, sous prétexte qu'on est prêt à quitter rentrer aux États-Unis. Comme ça, il ne va pas faire. Donc, c'est pour qu'on est pour qui j'ai prêt à faire des marches pour aller chercher petit monde. Ça, on voit petit monde arriver sous frontière pour aller chercher le prendre. Parce que le ça permet de faire des services sociaux qui lui-même a cherché un côté au monde qui pour pas tourner. Donc, c'est seulement ça que l'administration a fait en façon pour le capable. Et parce qu'il y a un peu de critique tout tombé sur l'administration, sur question du monde qui vit sous frontière et qui vient demander asile et qui était certainement, il n'y a pas qu'un capitaine, tout, pas jamais une chance de arriver. Mais tout, si au même on a un plan pour aller sous frontière, pour aller demander asile, et bien bon, on a toujours fait, mais conditions pas changé, toujours mettez et prendre rendez-vous avant d'aller et pas présenter comme ça sous frontière. Puis dans le pays d'Haïti, il y a un bouleversement en dedans conseil présidentiel transition. Un bouleversement, on dit, et 7 membres, tous 9 membres toujours là, c'est toujours même maintenant, mais au point de vue administratif de gestion, et conseil a un paquet de problèmes là-dedans. Problème, par exemple, qu'on question de 4 membres, les 4 membres majorité, qu'on y a une pression qu'on a faite pour que 4 membres majorité passer à 5 sur 7 de préférence. Donc, et puis tout, gagner une présidence là. Et alors, grand pile, nous comprenons que c'est chaque membre. C'est, vous voulez qu'on y a, après, été fini désigné Edgar Leblanc comme et coordonnateur ou bien encore comme président conseil là. Bon, qu'aucun pété parmi les gens qui ont gagné président en Honda, qui ont gagné candidat par tout, et bien, peut-être qu'aucun, il dit, bah, elle a mal fait, qu'elle a mal battu, il faut que qu'elle a rebattu encore, et bien, qu'on y a demandé, il faut que, et bah, elle a fait par un système de rotation. Donc, premier groupe qui était président, qui était fait, qui a fait demande ça pour le faire par rotation. Et l'autre groupe qui est toujours là, il dit non, il n'est pas d'accord, il faut une élection faite. Et bien, bon, ça fait, et bien, qu'on y a, finalement entendu à ce que gagner une rotation qui fait, comme si pour chaque 5 mois, parce que nous avons le conseil a été 20 mois là. Si tout le monde est à marcher, j'ai pour le marché, il est 20 mois là. Donc chaque 20 mois, chaque 5 mois, pour gagner une présidence. Alors, présidentiel, gagner un autre membre conseil là, tout qui n'est pas candidat. Alors, il te dit, c'est des gens qui sont candidats seulement qui n'ont pas la rotation. Mais un autre membre qui n'est pas candidat, eh bien, monsieur, hier, monsieur, non, réunion, monsieur, déclaré, bon, moi-même, moi, je voulais candidat dans le système rotation. Et bon, bon, bah, elle a pas fait quelques mois de plaisir tout, parce que c'était inattendu, c'est un coup là, on de l'eau qu'a bouillé pour vider, ou vider, on de l'eau frette là-dedans, ou imaginez qu'il y a de l'eau à capter. Et ma pile, mon pensée, finalement, il y a ancien gouverneur, un gouverneur de Banque Centrale là, qui s'est représentant Montana, dans le conseil présidentiel de transition, il y a parlé de Fridjan, et il a semblé que monsieur à l'école, puis il a dit, comme à la place, il a dit, bon, comme ça, vous voulez venir dans la présidence, nous sommes d'accord pour que ces 4 membres qui puissent être, bon, moi-même, souvent, il a pas gagné 5, et monsieur à l'école, il a quitté 4 membres. Donc, 4 membres, qu'on y a jeudi, qu'on y a actuellement, si tout le bail va changer, mais c'est Edgar Leblanc fils qui ça sa présidé premier 5 mois et puis gain nouveau venu en la le deuxième ensuite a gain et Agon en architecte Lucy Voltaire et puis a gain représentant et groupe 21 décembre lui-même docteur qui lui-même a payé bah, donc c'est comme ça ça est connu mais qu'on a changé majorité en et pas majorité absolue encore mais son gros majorité relé et bien lui-même c'est 5 membres sur 7 les pas gain vote pas c'est juste pour éviter bangouille parce que faut c'est voter qu'elle va ça à faire en tout cas hier conseil ça a été réuni avec le gouvernement intérimaire hein? J'étais fait un conseil des ministres et bien conseil des ministres ont été déroulé et bien bon yo prolongé et mandat membre des comptes là yo parlé de réouverture aéroport là yo parlé tout de célébration 18 mai et il y a pas des dispositions pour ça. Il y a parlé de nettoyage là, et donc on ne peut pas méconnaître ça pour qu'on ait des pieds bois clevés. Côté monde qu'on a marché, qu'on a des pieds bois là dans l'île, surtout en bas la ville là. Et bien c'est ça que c'est là t'es fait, donc c'est pour mes travail. Mais jusqu'à présent, il y a une question qu'à poser, est-ce que mon conseil là soumet des documents que eux-mêmes?
document éligibilité, est-ce que vous payez impôt, est-ce que tu payez impôt, etc. Tout le ça, on a beaucoup dit. Et puis, on procès verbal tout qui publie dans le journal Le Moniteur, qui est assemblé jusqu'à présent. S'il le fait, il n'est pas public. Mais s'il n'est pas public, c'est qu'il beaucoup fait. Donc, jusqu'à présent, on a plus de temps à ce qu'avec un document, ça, pour qu'on ait six membres conseil. Et puis, il y a un premier ministre en tout. Donc, nous, on est conseil à tes bons premiers. Nous, pas un premier qu'on nous a dit que c'était monsieur Raphaël. Et c'est Bélisère qui était lui-même et était premier ministre. Il dit que j'en étais parlé avant. Il dit nous tout proposer, monsieur comme premier ministre. En fait, proposition était en proposition. Parce que il dit non, qu'on y a l'autre parti qui concerne. Il dit non, il faut une candidature. Donc, il faut tout le monde qui voulait, qui sentit qu'il est capable de qualifier. Enfin, il faut représenter candidature pour poste premier ministre. Jusqu'à présent, il a traîné toujours. Mais en attendant le gouvernement qui est là, monsieur a continué à exécuter les affaires. Quoi, hein? Donc, en plus, il y a un peu de monde qui a posé des questions pour qu'on ait qui est pas le premier ministre. Et une fois que le premier ministre a finalisé puis il a qualifié les bonnes conditions, eh bien, il va le former gouvernement qui parle. Parce que le gouvernement est arrivé là, et c'est là tout le bayo, et a lancé qu'on y a là. En plus, nouvelle, il dit que bah, le pays a ouvert, il y a moins de désordre qu'on y a. Kidnapping n'a pas disparu, il fait quand même de temps en temps. Madame Cap Babie, il dit jeudi dernier, et monde qui présentait au Lacaille après minuit sous forme de police et nationale, et bien, il y a là avec monsieur Afreli, et bien, il y a là avec jusqu'à présent, il n'y a pas raconté côté lié, tout côté à le garder, tout côté à le demander, mon ne dit pas qu'on est, il y a là pas se dire non, par contre, ça pas quoi, donc autant de problèmes qui posaient. Et puis tout, et nous appelons que l'aéroport international tout ce qui a fermé. Il ferme depuis quelque temps. Eh bien, il faut qu'on fait là pour l'ouvrir. Les conditions semblent être réunies pour quitter crasé dans une zone pour une sécurité. Il demande pour crasé car ça, mais ces conditions ça, il est fini. Et puis, il y a un avion militaire américain qui a pu descendre. Oh, je dis, monsieur candidat, vous voulez me citer, non? Vous voulez me citer, non, monsieur? Vous voulez me citer, non, monsieur? Donc, là, dit tout le monde qui a candidat. Donc, quelque chose sorti, ou mettre candidat, poser candidat. Bon, moi, je me suis en bas, je vais poser candidat. Depuis, je suis condition. Depuis, je suis bye, je dis, mais je suis besoin. Alors, je me suis bonne blague là, je me suis dit, je montrer mon nom, mon nom, qui candidat. Bon, on va me connaître qu'un candidat, et puis, on va me connaître qui n'a pas cette oui. Si monsieur lui a fait pression, devant, parce que dans la première fois qu'on a conseil là, les réunis, et bien si monsieur a fait pression devant, il dit que y a boulé caillou, y a boulé machine, si vous n'avez pas élu un tel, si vous n'avez pas pris un tel, et bien vous ne connaissez pas ça qu'a fait. Monsieur Carabie passé là, et puis monsieur a prévu l'histoire. Et bien donc, dans ce cas-là, et puis nous parlons de l'aéroport, bien l'aéroport. Il y a une possibilité pour le relouvrir. Mais jusqu'à présent, c'est militaire américain qui a fait vol. Hier, au moins deux vols qui fait. Et c'est chaque jour que le militaire américain est venu. Personne n'a pas accès. Donc, nous ne savons pas qui est l'avion militaire côté. Est-ce que c'est matériaux, est-ce que c'est équipement, etc. Parce qu'on connaît, il semble que les États-Unis prennent un rôle de leader façon en termes de préparation pour tout Kenya qui parle en Haïti. Donc, il y a une zone que l'idée a choisi côté M. Pral fait base. Et il a sauvé ses bases côté ministre Ateya. C'est là, monsieur, pour parler. Donc, avion venu, donc, journaliste, pas vraiment de position, et pour y avoir capable de arriver côté Pritaro, ça a fait exactement. Parce qu'en aéroport actuel, on est contrôlé par la police nationale, là, avec même la médaille au contrôlé. Donc, ça veut dire que, et d'après les nouvelles médias rapportées, il faut qu'on ait près de 100 vols. Que États-Unis avaient mis qui par en Haïti capable pour débarquer pour préparer arriver monsieur et nous dit en parlant de militaires kenyans qui est pour arriver en Haïti pour pas diriger mission hein. Et bien bon c'est un président kenyan et William Ruto qui vient pour aller qui est pour venir à Washington pour venir en contact avec le président Joe Biden et très certainement il est armé et visite ça coïncider avec arrivée tout Kenya en Haïti, selon nouvelle lieu, ça t'a arrivé dans fin mois, mais il n'y a que d'attente. Grand pile bail qui a passé, entre temps, Canada finit avec entraînement de troupes. Que... Malgré l'illégitimité populaire, la baisse de personnes, est-ce que Portugal mettait des balises, des contraintes pour empêcher la non-élection? Et nous connaissons qu'il n'y a pas de jouer avec ça. Nous croyons qu'on a tout, les personnes. Ah, c'est sûr. Chaque pays a. Donc, pas un Japon là pour éviter, pour empêcher. Que nous rentrons dans le mode révolution en Haïti. Vous avez ralenti, vous avez cherché moi tout à l'heure, vous avez ralenti parce que vous avez des moyens, vous avez un pile d'argent dans la main et vous avez des pressions.
mais vous n'avez pas qu'à le mouvement ça. Le pays a changé, il y a même Haïti que nous besoin de faire. C'est pour mettre ça en fait peuple, c'est pour mettre ça en fait tête. Ok, ça va. Et là nous regardons les pays, et chargés avec Zamadon, les gens sous pouvoir, et je veux continuer à parler de révolution pacifique. Et est-ce que vous pensez que on va aboutir avec objectif par rapport avec des révolutions pacifiques, ça on va dire. Oui, on va dire abouti. Donc, c'est vrai. Des armes pour faire ça. Non, seul peuple là déjà et nous gagnons peuple là déjà. Diaspora. The All Electric 2020. Bon, ça c'est encore ça qui était quoi lui-même. Mais est-ce que vraiment jeune avec sa partie là, bandi armé ça ou là, est-ce que là ça traduit que peuple là prend le capoter bouer face avec nèg ça yo? On va arrêter quoi non? Attendez. Voix peuple est souvent dit vox populi vox dei, voix peuple voix bon Dieu. Et si qui conscient que le peuple là, qu'il y a qui ça qui rete qui fait, il pas prendre pouvoir. C'est la plus grosse question que moi-même. Quel citoyen haïtien, chaque nation aux États-Unis son bagage illégal parce que la constitution dit qu'il n'y a pas de problème. Malgré qu'on est tellement peu, tellement pas avoué, ouais, et n'est-ce qu'il est difficile là, alors qu'on est là. Donc, monsieur, nous avons besoin de Haïti, nous revient là, nous avons mis de sécurité dans le pays là, mais nous avons de vérité. Nous avons une série de bagages, il faut que la population connaît qui est ce qu'assassin et Jovenel Moïse. Bon, bon, deux nègres, ou est arrêté, Solage, agressant. Ils ont été kidnappés, non? Ils ont fait photo, oui, ils ont kidnappé, non? C'est même nègres. Même nègres, ils ont dit, ils ont dit, quoi, j'ai dit, nègres, ils ont dit. Mais quand on finit tous les présents Jovenel, le peuple a marré, ils ont dit, pas nègres. Tout le monde va comprendre ce qui est le président Jovenel. Donc ça veut dire question de les marques de comparaison entre l'arrestation et l'amour Jovenel, c'est même équipe Mounsaïo qui fait ça. Oui, c'est le système qui tue Jovenel parce que Jovenel vient donner une menace. Lui, il permet de lui oser à la Turquie et signer une équipe et traité. Ok. Il était déjà, la presse est déjà crasée, la matraque en Haïti. Il était perdu la justice des populaires. N'est que tout. Monsieur, quand on a fait 20 commandes de sous commandes sur Colombie, toutes armes sont toutes comme ça passé pour cette intelligence, je n'ai pas payé au courant. Je venais le mourir dans une poule dans le pays. Et puis, malgré que nous avons dit c'est 10 l'opération d'hier, dans mon scénario, le premier ministre d'Alola, le président, le dans le même pays. Ça. Sans voyager avec madame, vous voyez cuisiner, la cuite pour le babalé. Donc, ce n'est pas une commission de vérité. Pour nous connaître qui est-ce qui est à mes jeunes garçons. Les kidnappés, qui est-ce qui prend comme là. Si nous avons une vérité, pour nous connaître comme Petro Caribia, c'est Saint-Domingue avec les États-Unis, 3-4 comme ils ont dépensé. Acheter villa, faire commerce en République Dominicaine et États-Unis. Comment comme ça fait là? Qui est-ce que le directeur BMPAD? Qui est-ce que le premier ministre? Qui est-ce que le ministre des Finances? Comment tout comme ça fait là? Qui est-ce que le comme ministre de la planification? Comment comme ça va aller? Comme tremblement de terre pour reconstruire Haïti à Saint-Farel? Ce n'est pas une commission de vérité pour nous venir devant le pays pour le répondre. Nous ne pouvons pas aller au côté, non? Ok. Et deuxième question par moi, c'est que pendant que tu es en prison, pendant 3 ans, tu as un problème de conscience qui t'est manifesté avec la population. Quel que soit l'idée qui t'a décidé de faire un mouvement, tu ne peux pas qu'à joindre le monde. Automatiquement, vous retournez pour venir une réponse à politiciens traditionnels. Automatiquement retourné, moun si qu'il est, chaque mouvement classique en pile moun nada. Maintenant, je dis, l'engagement des revendications que nous avons portées, et nous sommes capables de dire à 99% si vous ne pas tourner à l'arrière de la toujours là. Mais je dis, nous, c'est peut-être pour le travail de la choix à la galonne. Maintenant, qui positionne ta de gagner dans le combat, qui positionne comment tu as de orienter la bataille pour nèg sa yo qui dans la commission qui c'est peut-être cap, c'est même Ariel Okib. Maintenant, qui ça m'a de faire en tant que monde, en tant que engagé pour nous continuer la bataille? Le gouvernement ça a même pas tant que Ariel de gagner, l'ambassade américaine. Encore une fois, c'est l'ambassade américaine qui problème là. C'est lui qui a fait vie politique en Haïti, c'est lui qui a contrôlé. La stratégie que nous avons employée, c'est de continuer à mobiliser pour assurer que nous ne suspendons pas les bagages d'Haïti, pour assurer que la population joue une sécurité, pour assurer que les richesses qui ont créé, que nous avons amené les pays à bon port.